en sujet 1, on a eu la liberté consistait à n'obéir à personne. Et en sujet 2, on a eu est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens. Le premier, c'était les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Et le deuxième, c'était revient-il à l'État de décider de ce qui est justice? Et après, il y avait le texte. C'est assez simple, moi j'ai trouvé, donc ça allait. 14, je pense, 14, 13, un truc comme ça. Ça ira, je pense. Le texte, parce que je suis plus à l'aise avec les commentaires de texte qu'avec les dissertations. J'ai jamais vraiment été doué pour les dissertations, donc voilà. C'est passé. Ça, c'est... Je sais pas, je suis un peu mitigée, quoi. 9. J'aimerais bien avoir la moyenne, mais bon, je sais pas, on verra. Moi, j'ai pris le commentaire de texte. Je trouve ça beaucoup plus simple pour, enfin, d'expliquer le texte. J'ai pris le sujet 3, là, sur le texte. Sur le texte de Cournot. C'était celui qui était pour moi le plus facile à faire. Je ne me voyais pas faire les deux autres, celui-là était plus intéressant. Et pour les dissertes, la disserte la plupart du temps, il faut beaucoup de connaissances, il faut avoir beaucoup de connaissances et je ne les ai pas réellement, du coup je pense que, enfin j'ai préféré le commentaire et puis les sujets de disserte ne m'intéressaient pas. Petit 14 je pense. Plutôt bien, je trouve le texte assez simple, assez clair. Donc franchement ça s'est bien passé. C'est une des matières les plus importantes. Je suis contente qu'en France on ait encore la philosophie parce que ça nous permet d'avoir une réflexion sur tout type de sujet. Et pour moi c'est essentiel qu'on ait toujours cette matière. Philo en elle-même j'aime bien, mais au niveau des cours je trouve ça assez réducteur. Donc j'ai pas beaucoup travaillé et je pense pas avoir une très bonne note. Ça nous aide vraiment à nous faire notre propre idée sur des sujets de problèmes de société, par exemple tels que la religion, l'État, la justice.